coucou, c'est les successeurs de Disney. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu des nichons, c'est que vous êtes des pervers. En tout cas, ce n'est pas un putaclic parce qu'il va vraiment y avoir des Mexicans ou non, ne lis pas la description. C'est de la créatrice Biani, une artiste mexicaine, voilà, qui a fait des héroïnes en sous-vêtements parce qu'elle voulait, il me semble avoir vu, mais c'est, il y a tellement longtemps que je l'avais mis de côté, qui voulait dire que les princesses aussi peuvent être jolies et qu'elles peuvent être en droit d'avoir des sous-vêtements. Et donc, nous aussi pour une vidéo très putaclic. Et nous commençons avec Ariel. Ah bah on dirait ah putain elle est sexy. Non mais on dirait un tatouage. Tu trouves pas? Enfin une pin-up quoi. Ouais. Par contre son ses sous-vêtements, je cherchais le mot, sont très très fins. Ça fait très ça fait très écailleux, je trouve. Ouais, ça fait très poisson fait, pour le je coup. Pense que c'est fait exprès pour rappeler, oui, voilà. Il fallait bien faire quelque chose du cadavre d'Ursula. Oh non. Bah elle attend Eric. Hein, Eric, ce n'est plus la queue. Oh non. Montre-moi la tienne. Bip bip. Bip 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 partout. Du coup t'es pas prince. Non, non je pense que j'aurais coupé. Non coupe pas. Ouh. Alors moi, non. Je vais dire un truc con. Si c'est moi qui avais fait le dessin, pour accentuer le côté sexy, j'aurais laissé le téton dépasser. Princesse. Il va falloir qu'on change la catégorie de la chaîne, force. Tu veux dire dépasser ou pointer? Oh là là. Juste pointer. Non mais voilà, bah... Non, non, pas non, légèrement dépassé. Voilà. Voilà, d'accord. J'aime bien la transformation oui, du chausson. Ah oui. De vert, en fait. Et d'ailleurs, je crois que le talon est en vert. Perdu. Je crois qu'elle a marché sur la robe et ça a tout craqué. Marraine l'a pas fait. Et qu'elle a fait un truc. Philippe, pas Philippe. Comment il s'appelle? Florian, je crois. Par contre, elle est blonde. Elle est blonde. Là, on est d'accord. Bravo, Biani, créatrice. Bravo, ça on est d'accord, c'est la vraie Sandrine. Non, qu'est-ce mais non, elle est rousse. Non, mon frère, elle doit être rousse. Oh non. Bravo, ah bravo. Bravo, tu t'es encore plantée. Elle est blonde, elle est rousse, et non, ce n'est pas par rapport aux couleurs de l'époque. Oh mon dieu. Mais elle a les vraies couleurs, parce que normalement, ça. Non, mais elle a tout ce qu'il faut là où il faut, hein, Sandrine, on l'allait bien. Normalement, sa robe est blanche, et là, tout est en blanc. C'est logique, ça suit de ce côté. Oh. Ouh. La danse orientale. Aladdin. Petit coquin. C'est le génie. C'est pour Jafar. Oh. Non, Jafar, il l'a habillé en rouge. Oui. D'ailleurs, quand elle est en rouge, elle est vachement sexy. Hein. C'est vrai. Eh ben, Jasmine qui s'est bien épilée sous les bras. Narta. C'était un placement de produit. Pardon. Pour Tahiti. Du coup, il faut pas qu'il y ait trop de vent parce que sinon, je pense pas qu'il y ait de culotte. Ouais. Très très jolie. Très sexy. Très sexy. Tiana. Pareil, ouais. Pareil que Cendrillon. Magnifique. Alors, c'est qui a baissé dur, la grenouille ou le prince? Non, elle est magnifique. Ouais. Tiana, c'est très rare, à part dans la vidéo où on avait fait des 15e siècle qu'on avait trouvé trop figé. Ouais. Bah là, elle est pas figée là. Non, là, elle est prête. Hein. Oh. 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 La bête. La bête. Oh non. J'aime beaucoup sur son soutien-gorge, on dirait des roses, c'est joli. Ouais, et son petit collier avec une rose. Ouais. La coiffure qui a été conservée, enfin nickel. Par contre, vraiment, les culottes, elles sont très 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 fines. Très très culottes, hein. Ouais. Mon dieu, mais elle doit s'en mêler là-dedans. Ah, purée, tu vas pas pour... C'est bizarre, non? J'aime bien, mais j'aime moins. Parce que les cheveux... Ah, attends, il y a un souci au niveau de l'entrejambe, non? Oui, on est d'accord. J'ai l'impression que le bas de la culotte est relié directement... Au jartel. Ouais, non, il y a un truc qui me fait bizarre à ce niveau-là. Elle a encore tué mes coups. Il y a des pubs de flits en plus. Les flits aussi. Oh non. John Smith. Oula. John Rolfe. Magnifique. De toute façon, Pocahontas. Pocahontas. Oh.
Pogonta, si on la loupe, on serait pas content. Ouais, ouais, ouais. Très belle. Ah, ouais, c'est magnifique. Magnifique. Ouh, Philippe. On dirait une petite fille. Oh, t'as 16 ans. Ouais. Aurore, tu n'as que 16 ans. T'imagines trois bonnes fées. Rabi, toi. Non, rose, bleu. Sans le soutien gauche. Rose, rose bleu. Bleu. Bah, ah bah elle vient de se réveiller hein. C'est la bah, Beauty, elle est bien elle est fraîche. Réveillée, ouais. Très jolie aussi. Oh. Oh, elle est belle. J'aime beaucoup Blanche-Neige, ça fait très pin-up. Ouais, j'aime beaucoup, ça fait sexy mais sans... Sans provoque. Voilà. Comme la plupart des autres. Pour l'instant c'est ma préférée. Oui, moi aussi. Bah là, alors là, dans le genre provoque, là tu peux y aller. Et heureusement, elle n'est pas tournée vers nous. On sait pas comment elle fait l'avant. Par contre, j'aurais fait autre chose avec ses bras, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu sais, elle a envie de se gratter dans le dos. Bah, c'est possible de faire ça, mais c'est pas sexy. Bah non, là, pour le coup, bah le cul, enfin, la position des hanches est sexy, le cul, excusez-moi. mais les bras, pas du tout. Ouh. Je rêve où elle est attachée. Je crois. Olaf, qu'as-tu fait dans ce canard? J'aime bien la... Le visage qui lui elle a un fait. Visage plus enfantin. Ouais, mais j'aime bien ce visage. Ou mais plus après, adulte en fait. Après les hanches, ça fait boum 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 boum. Ça fait un peu Nicki Minaj. Nicki Minaj. C'est vrai qu'elle a. Mais elle est très belle. Très belle. J'aime bien les vêtements. Enfin, j'aime bien les deux petits rubans qu'il y a sur le ventre. Ça fait joli. Par contre, les culottes, elles sont super super fines quoi. Comme tu dis, il faut être épilé parce que. Ouf. Oh dommage qui est le bas. En fait, le haut serait magnifique, mais alors le bas. J'ai. Déjà, elle s'est couchée sur son épée. C'est dangereux, Mulan. C'est dangereux, Mulan. Elle s'est laissée pousser les cheveux, c'est un peu plus tard. Et de deux, j'ai l'impression qu'elle est toute attachée, toute ficelée. En fait, si tu regardes, elle a la même position que Esmeralda au niveau de la position des bras. Oui, oui, oui. Mais alors. Voilà, voilà, c'est tout. Ouh. Et elle est belle, hein. Ouais. J'adore. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, du coup, elle est pas verte, elle est plus bleu turquoise. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Les cheveux, le visage, ouais, ouais, ouais. Magnifique. Vraiment. Trop classe. Bravo. J'aime beaucoup. Blanche-Neige et celui-là, c'est mon préféré, je crois. Et ben voilà. Mmh. Moi, Blanche-Neige et Mérida. Mmh. Et vous, quel a été votre préféré? Et vous? Alors les filles, dites-nous quelle tenue vous. Ah non. Quelle tenue vous préfériez porter? Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Non, ouais. Et ben voilà pour ce petit. N'écoutez plus ce que je dis. N'écoutez plus, princesse. Quittez cette vidéo. Et ben on se retrouve très bientôt. Pour un fanart plus simple. Ouais. Moins coquin. Moins coquin. Bisous.